suis très fière que Kif Kif Demain soit encore étudié et à l'étranger qui plus est. Et j'ai une histoire affective avec l'Angleterre parce que c'est un des premiers pays qui a traduit mes romans. J'ai une histoire aussi forte avec ma traductrice Sarah Ardizzone qui est vraiment qui a fait la meilleure traduction de toutes les traductions que j'ai eues de tous mes livres réunis. Donc à chaque fois pour moi c'est un rendez-vous hyper important quoi le Royaume-Uni. Donc je suis très contente. Le premier personnage féminin qui m'est marqué c'est Madame Bovary de Flaubert que j'ai lu au lycée que j'ai trouvé beaucoup plus complexe et riche en relisant à l'âge adulte que ma première lecture à 16 ans. Des figures féminines qui m'inspirent pour mes romans, j'en ai beaucoup parce que je parle beaucoup des femmes dans mes romans. C'est ma mère en premier, c'est banal de le dire mais c'est vrai. C'est son histoire et la mémoire qu'elle porte m'ont beaucoup inspirée. Et le personnage qui est encore vivant, qui est une révolutionnaire algérienne qui s'appelle Djamila Bouyred, qui a été une des figures de la résistance en Algérie dans les années 50. Et voilà, c'est des figures qui m'inspirent beaucoup.